Voir tes stories là, j'étais sérieux, afficher tout ça sur Snap. Tu vois, j'ai reçu énormément de messages sur Snap. On m'a dit de demander un test de paternité. Donc est-ce que tu serais partante pour faire ce test de paternité? Moi, y a pas de soucis, je te suis. Ah, tu veux rentrer dans la ficha, je suis sur Snap, sur les réseaux. Y a pas de soucis, moi ça fait 10 ans, je parle pas, je dis rien. Est-ce que t'es au courant que c'est moi qui dois t'afficher? C'est pas toi? Tu es conscient ou pas? Non, mais c'est une blague! Non mais je comprends pas, quand tu fais la meuf bien, tu parles pas, tu affiches pas la personne, tu gardes tes secrets, tu affiches pas ta vie partout. Je passe pour une meuf qui parle chinois là. Attends, on va parler chinois, y'a pas de souci, on verra qui va rigoler à la fin. D'accord? Ah bah c'est parti. Tout ce qu'elle va extorquer, bon là c'est rien frère, mais moi je me fous. Tout ce qu'elle va extorquer, bon là c'est rien frère, mais moi je me fous les ongles tellement ça la haise. Je suis en Shangla. Elle continue en plus, hein. Regardez, je vais vous envoyer ce qu'elle fait. Oh là, les gens, c'était ouf. Ah ouais, en plus, t'affiches une conversation sur le réseau. Eh ben écoute, si tu veux ce test de paternité, il n'y a pas de souci. Mais d'abord, on va falloir venir voir ton fils et on verra. Sophie, s'il te plaît. Tu vois, là, t'es en train de t'afficher gratuitement. Tu me dis, t'as pensé à venir voir ton enfant, donc je sors de nulle part, ça fait... Je t'ai pas revu depuis fin 2013, 2014, moi je sais même plus, pour te dire. Là tu viens, tu me dis ça. C'est complètement absurde, donc vas-y. Ressaisis-toi et puis arrête de faire décrire n'importe quoi. Parce que tu vois que si s'avère que c'est du mytho, c'est pas cool ni pour toi ni pour moi en fait. Complètement absurde, donc vas-y. Ressaisis-toi et puis arrête de faire décrire n'importe quoi. Parce que tu vois que si s'avère que c'est du mytho, c'est pas cool ni pour toi ni pour moi en fait. C'est toi qui es en train de t'afficher, de m'afficher et d'afficher ton enfant. C'est toi. J'ai rien affiché moi.